Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Les réalités naturelles sont un miroir, sont un parallèle des réalités spirituelles. Il y a des forces naturelles qui font plus de dégâts sur la terre qu'une bombe et qu'une guerre. Et parmi ces forces, on retrouve la puissance de la pluie. Il y a des intensités de pluie qui sont capables de faire plus de dégâts sur la terre qu'une guerre mondiale. Une pluie terrible est capable d'emporter des maisons là où des bombes vont cibler des maisons les unes après les autres. Il y a des niveaux, il y a des intensités de pluie qui sont capables de ravager tout un quartier. Ce que des bombes ne sont pas capables de faire parce qu'elles atterrissent en un point précis. Lorsque un ouragan, un cyclone, une tempête souffle avec la pluie, elle est capable d'emporter au loin toute une ville.
Et dans mon cœur, il me dit la raison pour laquelle tu invoques maintenant la pluie. C'est parce qu'il y a des sujets de prière. Tu n'en as pas un, tu en as plusieurs. Et tu ne sais même pas comment prier pour ce sujet de prière. Tout ce qu'il faut, c'est que la pluie vienne. Parce que lorsque il y a eu des dommages, tu ne sais pas ce que tu dois enlever. Invoque seulement la pluie, que la pluie vienne et qu'elle emporte au loin tout ce qui n'a rien à faire dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois invoquer la pluie ce soir. Pour que la pluie, pour que tu ne pries plus de manière ciblée. Tu ne dis pas Seigneur, guéris pas. En même temps, Seigneur, il y a un blocage au niveau de ma guérison. Il y a un blocage au niveau de mon mariage. Il y a un blocage au niveau du travail. La réponse de Dieu, c'est juste qu'un tsunami vienne et enlève toutes ses racines et ses plantations sataniques. Que la pluie vienne comme un tsunami dans ma vie et enlève ce que tu n'as pas planté. Selon qu'il est écrit, que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée. Tout projet que le Père n'a pas agréé soit déraciné. Toute plantation que le Père n'a pas plantée soit déracinée. Toute infirmité, maladie, désordre dans mon corps soit déracinée. Tout dérèglement, dysfonctionnement dans mon travail soit déraciné. Tout ce qui est dans mon intelligence et tout ce qui est bien amené, des migraines, des maux de toutes sortes, soit balayé au loin. Ce qu'il me faut ce soir, ce qu'il me faut ce soir, ce qu'il me faut ce soir, c'est juste un tsunami, 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 un tsunami. Et un tsunami de ta puissance. Et les rabrosos, les mamos. Et cabrosos, les rabos. Et les beaux papas, les beaux salamas. Et les mamosos, les mamos. Les mamosos. Il faut que tu souffles sur moi. Il faut que tu souffles sur ma vie. Il faut que tu souffles sur mon histoire. Il faut que tu souffles sur ma destinée. Il faut que tu souffles sur mon caractère. Il faut que tu souffles sur mon témoignage. Il faut que tu souffles sur ma santé. Il faut que tu souffles sur ma famille. Il faut que tu souffles sur mon héritage. Il faut que tu souffles sur ma vie. Il faut que tu souffles sur ma vie. Il faut que tu souffles sur ma vie. Il faut que tu souffles sur mon histoire. Il faut que tu souffles sur mon homme intérieur. Il faut que tu souffles sur mon âme. Il faut que tu souffles sur mon corps. Il faut que tu souffles sur les promesses que j'attends de toi. Elles ont besoin d'une impulsion divine pour appeler, pour venir à manifestation. Il faut que tu souffles ta puissance. Il faut que tu souffles vers ta grâce. Il faut que tu souffles par ta présence. Il faut que tu souffles sur mon caractère. Les mamans brossolées et les mamans. Les mamans brossolées et les mamans brossolées. Les mamans brossolées et les mamans. Il a les mamans brossolées. Il faut que tu souffles sur moi. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous te désirons. Il faut que tu souffles puissamment. Il faut que tu détruises les choses. Que tu ordonnes
pas sa pareille. Seigneur, que tu t'exprimes, que tu te manifestes, et que tu emportes au loin tout ce que tu n'as pas planté. Il faut, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, que tu atterrisses, Seigneur, que tu t'exprimes, Seigneur, que tu envahisses, Seigneur, que tu débordes, Seigneur, que tu satures, Seigneur, que tu inondes, Seigneur, que tu occupes. Occupe la place, occupe tout l'espace. Seigneur, que tu t'exprimes, que tu te déploies. Seigneur, il faut que tu réinvestisses. Seigneur, que tu envahisses. Il faut. Que tu déverses la pluie d'en haut, une pluie de puissance, une pluie de feu, une pluie de gloire, une pluie de feu, une pluie de gloire. Une pluie de feu, une pluie de gloire, une pluie de feu, les patates les mos, il m'a les patates les mos, ta mamaye, les mambros socate les mos, il m'a les socate les mambros, les mambros patate les mos. Seigneur, il faut. Seigneur, il faut. Seigneur, il faut. Et les ramos à la ramos. Et les ramos à la ramos. Ouvre les écluses des cieux. Fais-le-moi. Père, nous te prions, ouvre les écluses des cieux. Fais-le-moi. Maintenant, fais-le-moi. Maintenant, ouvre les écluses des cieux. Fais-le voir. Fais,
Qu'une échelle soit en permanence, qu'une échelle soit en permanence dressée. Et ma bourse, à partir de nos vies jusqu'au ciel. Et la bourse, ma bourse, la bourse, c'est pété les bourses. Et ma bourse, ta bourse, les bourses. Et ma bourse, ta bourse, les bourses. Et la bourse, les bourses. Et la bourse, les bourses. Et les bourses, et la bourse. J'en ai levé la voix, tu vas prier sur ta vie. Tu vas prier sur ta vie. J'annonce la pluie, 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 j'annonce la pluie. Il faut que tu sois un prophète ce soir, j'annonce la pluie. Il faut que tu annonces déjà, j'annonce la pluie. C'est la mambrosse, j'annonce la pluie. Et la mambrosse, et mambrosse, j'annonce, j'annonce, j'annonce. J'annonce, j'annonce, j'annonce. J'annonce, j'annonce, j'annonce. J'annonce, j'annonce, j'annonce. J'annonce. Ce n'est pas une petite pluie, non. C'est un tsunami divin. J'annonce 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 un tsunami divin. Ce soir tu ne pries pas pour la guérison. Ce soir tu ne pries pas pour la percée. Ce soir annonce seulement un tsunami. Annonce seulement, annonce. Annonce seulement, annonce. J'annonce, j'annonce, j'annonce. J'annonce, j'annonce, j'annonce. Il est en train de nous dire que tout arbre qui n'a pas planté continue seulement. Tout arbre qui n'a pas été planté par lui, tu n'as même pas besoin de donner son nom. Il y a des choses qui vont être déracinées ce soir. Il y a des choses qui vont être déracinées. Des plantations qui plantaient les ancêtres. Des plantations qui n'ont pas commencé avec ta vie. Des choses qui ont commencé depuis les ancêtres, depuis plusieurs générations et qui parlaient contre toi. Continue seulement d'annoncer. Ne sois surtout pas distrait. Dieu a dit à Élie, annonce la pluie. Et quand tu as annoncé la pluie, maintenant va supplier. Élie a prophétisé la pluie. Juste après, il est parti chercher Dieu. Et il a commencé à se prosterner et à invoquer. Et il a dit à son serviteur, est-ce que tu vois quelque chose? Le serviteur dit, je ne vois rien du tout. Je vois le ciel totalement dégagé. Il a dit une deuxième fois, repars voir. Est-ce que tu vois une pluie qui vient?
non, je ne vois rien encore. Je ne vois toujours pas de changement dans ma vie. Pourtant, Dieu a annoncé la pluie sur mon histoire. Dieu a annoncé un tsunami. Le serviteur est revenu. La deuxième fois, il dit, je ne vois toujours rien. Élie a dit, non, tu n'as pas compris, c'est une parole prophétique. Elle ne dépend pas de tes cinq sens. Tu dois croire à ce qui a été annoncé. Repars voir, il est reparti une troisième fois. Il est revenu, il n'y a toujours pas de pluie. Tu as annoncé que la pluie allait venir et que la famine allait sécher, allait s'arrêter. Que la sécheresse allait s'arrêter. Mais je ne vois toujours pas de pluie. Repars voir une quatrième fois. Est-ce que tu vois quelque chose? Il a fait ça jusqu'à six fois. Voilà pourquoi tu continues d'annoncer, d'annoncer. Tu continues de dire j'annonce. Et lorsque tu dis j'annonce, tu ne vois rien. Mais ne t'arrête pas d'annoncer la pluie. Parce que la parole qu'il a annoncée est certaine. Lorsqu'il a dit d'annoncer un tsunami, ce qu'il te demande de faire, c'est d'annoncer un tsunami. À la sixième reprise, il n'y avait pas de pluie. Et lorsqu'il est reparti pour la septième fois, le serviteur, il a dit, je vois un petit bout de nuage. Ce n'est pas une pluie, mais c'est un petit bout de nuage. C'est juste un petit bout. Il dit, c'est suffisant. Dis à Achab qu'il monte sur son chariot, qu'il rentre chez lui. La pluie va arriver, ce n'est qu'une question de temps. Le nuage, c'est suffisant. La gloire qui s'est levée est suffisante. Lorsque le véhicule est prêt, lorsque l'adorateur a été préparé, la pluie est sur le point de venir. Annonce seulement. J'annonce, j'annonce. J'annonce à ma santé. J'annonce à mon caractère. J'annonce aux blessures de mon âme. J'annonce à cette culpabilité, ces rejets. J'annonce à la peur qui était en moi. J'annonce à l'angoisse et aux phobies. J'annonce à mon cœur qui était brisé hier. J'annonce la pluie sur toi. J'annonce à ma destinée. J'annonce à mon intelligence. J'annonce à mon mariage. J'annonce à ma fécondité. J'annonce à ma santé. J'annonce à mon travail. Et ma brosse au cataillé de l'émos. À qui est-ce que tu annonces la pluie? C'est une histoire personnelle. J'annonce à Maxime Chrétien. J'annonce sur mon ministère. J'annonce sur mon témoignage. J'annonce sur mon héritage. J'annonce sur mes enfants. J'annonce sur ma famille. J'annonce sur mon quartier. J'annonce sur mon village. Là où on avait dit il y a trop de sorciers. J'annonce ce soir à la pluie. Annonce. Dans quel domaine? Vas-y, parle, prophétise, annonce. Accueille la pluie, annonce la pluie, proclame la pluie, décrète la pluie, prophétise la pluie, appelle la pluie. Les mambros sont la marée la bossa. Il est les catalés de mon palais de bossa. Il cadet les mambros sont catalés de bossa. Je te dis que la pluie, tu dois l'annoncer. Continue d'annoncer seulement. Il a mambroso que te le mambosa. Il mambroso que te le mambosa.
pierre de la brosse au cata annonce la pluie. Il m'a brosse au cata avec, il m'a brosse au cata de l'élobos, il m'a brosse au cata de ma salle de l'élobos. Chanter, c'est prophétiser. Il me redit encore. Il me le redit. Tout arbre, toute graine, toute semence qui a poussé dans ta vie, toute forme d'ivraie qui a voulu frustrer la récolte du Saint-Esprit qui s'appelle le blé, toute forme d'ivraie que tu constates dans ta vie, que tu sais ne pas être de lui et que tu n'aimes pas, dans ton âme, dans ta destinée, tout ce que tu constates comme ivraie, je veux que tu ouvres la bouche et que tu commandes, tu dis tu es déraciné. Tout ce qui ne te plaît pas, annonce que c'est emporté loin de toi. Tu as le droit ce soir de dire à un démon, tu résistais, tu bloquais ma vie, tu parlais contre moi. Maintenant, un tsunami vient sur toi et t'emporte au loin. Le tsunami n'agit pas de manière ciblée. Le tsunami agit de manière globale. Ce soir, tu n'as pas besoin d'un exaucement. Ce soir, tu as besoin d'une puissance qui vient de manière globale. Emporter, déménager tout ce qui frustre ta destinée et qui veut s'opposer
à la manifestation de la gloire. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Yeah, yeah, yeah. Prophétise, fils de l'homme. Yeah, yeah, yeah. Kata la babo. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tu as le droit de parler et de faire. Yeah, yeah. Tu as le droit de prophétiser et en même temps de dire. Yeah, yeah, yeah. Je déclare et je décrète dans ma vie tout ce qui n'a pas été planté par Dieu et maintenant déraciné. De quoi parles-tu? Mentionne le nom. Les projets qui viennent des hommes et pas de Dieu. Je déclare et je décrète que ces projets sont déracinés. Les complots, les coalitions, les conspirations, les conjurations humaines qui visent à bloquer le plan que Dieu avait prévu sur ta vie. Je déclare et je décrète que ces conspirations, ces complots humains, formé contre un pacte sans chrétien, formé contre toi, formé contre moi, formé contre le fruit de tes entrailles, formé contre ton foyer, formé contre tes enfants. Tout complot qui a été arrêté dans le monde occulte, nous déclarons et décrétons qu'il est déraciné et jeté au loin. Au nom de Jésus, élève la voix, c'est le moment de prophétiser. Et Mablo Katale, les bons cadres à il a les mambros au cataille de vos. Ce soir, tu as l'autorité pour annoncer que tout ce qui n'est pas le plan de Dieu dans ton mariage, dans ton travail, dans ta destinée, dans ton caractère, commande que ce soit déraciné. Les catarrhés de vos tout ce qui était assis dans ta santé, tout ce qui a été assis dans ta santé, et tu sais que ce n'est pas de Dieu. Commence à déraciner. Arrière de moi, tu quittes mon corps, tu quittes ma santé, tu quittes mes veines, tu quittes ma peau, tu quittes mes cellules, tu quittes mon intestin, tu quittes mon foie, tu quittes les seins, tu quittes le cerveau, tu quittes. Les babros sont cataillés. Et les batailles et les bocaux. Les mambros sont les bosses. Les mambros sont les mambros. C'est un moment personnel. Tu as le droit de parler, de prophétiser. Il y a une onction prophétique. Tu dois annoncer. Tu dois annoncer. Qu'est-ce qui est déraciné? Et Mabroso Kadele Ramos. Et Mabroso Kadele Mabroso. Et le Ramon Kadele Mokadele Ramos. Yeah, yeah, yeah.
Nakate. Ce soir, nous allons prier. Toute arbre, plantation que Dieu n'a pas planté, ce soir, sera complètement déraciné. Déraciné. Tu ne peux pas te permettre de les enlever graine après graine. Lorsqu'il y en a beaucoup et dont tu n'es même pas conscient. Lorsqu'il y en a beaucoup, lorsque tu as beaucoup de mauvaises herbes dans ton jardin, tu ne peux pas t'amuser à aller avec la main arracher les unes après les autres. Lorsqu'il y a trop de mauvaises graines, il faut que tu envoies juste un tsunami emporter tout. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit est derrière le tsunami. Il saura laisser ce qui est de lui et arracher ce qui n'a pas planté. Arracher ce qui n'a pas planté. Arracher. Et il y a des plantations livrées dans nos vies qui ressortent souvent très tôt dans l'enfance, qui ne vient même pas de ce que nous avons planté, mais qui provient de ce que les parents, les ancêtres, les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les arrière-arrière-grands-pères ont planté. Et parfois, ils ont planté des graines de recommandation. Parfois, ils nous ont engagés avant que nous ne venions au monde. Ce soir, tu vas prier contre tout ce qui a poussé dans ta vie, mais qui est le résultat des plantations qui ne viennent pas de toi, qui viennent des ancêtres. C'est ce qu'on appelle des malédictions. Et plusieurs de nos ancêtres et de nos parents et de nos grands-parents ont parfois recommandé notre sort à des esprits. Et pour beaucoup d'entre eux, ils pensaient qu'ils protégeaient les enfants en disant, je te recommande, génie des eaux, mes enfants, protège-les. Il y en a qui ont été recommandés à l'esprit des eaux. Il y en a qui ont été recommandés à l'esprit des savanes, des esprits des forêts. Il y en a qui ont été recommandés à toutes sortes de démons, à qui on a dit, prends soin de cet enfant quand il va grandir. Prends soin de ma lignée quand elle va grandir. Et toi, quand tu nais, tu sens des dispositions, des luttes, des combats qui sont dans ta famille, qui se perpétuent. Ce soir, le tsunami n'a pas fini d'opérer. Ce soir, c'est une nuit de prière. Ce soir, ce n'est pas une nuit d'adoration. C'est une nuit de prière, une nuit de récupération, une nuit de décret, de proclamation. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire que tout ce qui a poussé dans ta vie, qui provenait des alliances qui ont été contractées en ton nom, qui provenait des plantations, des pactes, qui provenait des actions des pères, des ancêtres, tout ce qui pousse de ta vie, qui n'a rien à voir avec toi, tu vas dire que tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit et qui est un héritage familial, quitte ta vie au nom de Jésus. Tout héritage familial indésiré, quitte ta vie. Héritage de maladie, héritage de pauvreté, héritage de médiocrité, héritage de manque d'intelligence, héritage, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu vas seulement annoncer, tu dois donner une direction au tsunami. Et toute tentative de cet héritage démoniaque de s'emparer de mes enfants, de s'emparer de ma postérité, je déclare et je décrète qu'elle est détruite. Je commande la mort, commande l'anéantissement et commande que toute plante de sorcellerie, toute plante d'infirmité, de maladie héréditaire qui a touché tes parents, déclare et décrète que tout schéma de pensée, toute frustration, échec dans les familles, échec dans le foyer, échec dans le mariage. Et tu vois que ça s'est reproduit dans ta famille, ça s'est reproduit dans tes frères et tes soeurs. Tous les blocages que tu vois dans ta famille, ou que tu as vu chez les parents, l'alcoolisme, la drogue, la dépression, commande que tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné.
Chacun déclare, chacun proclame sur sa vie, chacun commande. Les membres sont là-bas, les membres sont là-bas. Tout ce que le Saint-Esprit n'a pas planté dans ma vie, planté par mes ancêtres, planté par mon père, planté par ma mère, toutes les malédictions, toutes les fautes, toutes les alliances, tous les pactes, toutes les transgressions, tous les serments, tous les contrats, toutes les paroles qu'ils ont scellées pour soi-disant ordonner ma protection, tous les héritages de blocage, de stérilité, d'infertilité, de maladie quelle que soit, maladie chronique, maladie incurable, quel que soit le nom de cette maladie, je commande au nom de Jésus, tu quittes ma vie, tu sors de ma vie, tu es déraciné, enchaîné dehors, tu n'atteindras, tu ne demeures pas dans ma vie, tu ne demeureras pas dans mes enfants, au nom de Jésus, toute tête chercheuse, démoniaque, tout esprit méchant qui essaie d'atteindre mes enfants parce qu'il avait été envoyé depuis les ancêtres, je te coupe la tête, je te taille en pièces, je te décapite dans le nom de Jésus de Nazareth, je t'écrase la tête, je déclare que à cause de ma foi, mes enfants sont sanctifiés, mis à part pour Dieu, exclusivité de Dieu, réquisitionné par Dieu, dans le nom de Jésus, que toute racine, graine qui voulait sortir de ma vie, qui était sortie de ma vie et qui voulait frustrer mon histoire, je t'annonce que par la puissance du Saint-Esprit, tu es déraciné et jeté au loin. Ce tsunami divin agit maintenant. Ce tsunami divin opère maintenant. Il est révoqué, maba, les révoqués. Une malformation cardiaque héréditaire. Malformation cardiaque héréditaire. Quitte ce cœur. Va au nom de Jésus. Quitte ce cœur. Dans le nom de Jésus, que la main du Seigneur se pose sur ton cœur pour réparer et te donner un cœur sain, un cœur bien portant. Tu ne transportes plus cette déformation cardiaque de tes parents au nom de Jésus. L'état d'Ambroso Pata, il est le bon camarade de l'Evos. Il est le marbre de l'Evos. Il est le marbre de l'Evos. Il est le marbre de l'Evos. Il est Il est le brosso de l'amour, 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 il est le brosso de l'amour
Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher et ce que le diable a volé. Ennemi. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Levez la voix en esprit.
Le mambro kata le libro. Le mamba ila le libro so. Le mambro kata le libro. Arani la bova ila le kata la bo. Yele kata le libro. Le mambro kata le libro sa kete le libro. Yele kata le libro. Le mambro kata le libro. Le kata le bo sa kete le libro. Les membres catélénamos, catélénamos, les membres catélénamos, la membre catélénamos, les membres catélénamos, catélénamos, les membres catélénamos, les membres catélénamos, les membres catélénamos, les membres catélénamos, Limbro che te le mura catalere catalere mos, lo sa che te le mura catalos, limbro catalere catalere mos, limbro catalere mos, le catalere mo cora la mas, limba che te le mura con le mahe la le mos, limba catalere mo cora la mas, in the name of the Lord Jesus, al hai catalere mos. Limbro catale mambro shalele, limbro so catale baba, limbro comandare le mos, yere le batale le mos, limbro catale mambro sa, limbro catale mambro catale le boca ya le mos, limbro catale mos saya, limbro le mos comandare che. Le Saint-Esprit me demande de prophétiser. Toi, tu vas juste recevoir les paroles en disant Amen. Ça veut dire qu'il me soit fait selon cette parole. Je vais juste parler. Toi, tu vas répondre Amen. Kamabrotote, yararabo. Limamraka, yarabo, sorarababa. Limaha, yarabo, korarabasa. Likata, yandakorobo, satake. Libro, kobalari, mokante, yarabo, korarabasa. Yarabo, hai, likata, yarima. Rosso, kabara, ita, kamroso, patale, limukatalarama. Yikane, rikorobo, sakaba. Likaba. Toute plantation, toute graine, toute semence que la chair, que le monde, que le diable avait planté dans ton cœur, dans ton âme, les graines d'amertume, les graines de peur, les graines d'impudicité, les graines de jalousie, les graines d'immoralité, les graines d'angoisse, toute forme de graines. Que la chair, que le monde, que le diable avait planté dans ton âme pour empêcher la manifestation de Christ. Donc tu avais du mal à te débarrasser. Donc tu te demandais, comment puis-je me débarrasser de ce manque de pardon? Comment puis-je me débarrasser de cette émotion? Comment puis-je me débarrasser de ce sentiment? Je déclare et je décrète que ce sentiment, cette émotion qui était accroché à ton âme, dont tu avais du mal à te séparer, quitte et emporte loin de toi au nom de Jésus. Ce sentiment, cette émotion se dressait contre la connaissance de Christ. Ton esprit est bien disposé, mais ton âme était affaiblie. Je commande que ton âme est remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout ce qui se cramponnait à ton âme et qui disait Christ ne sera pas formé et emporté loin de toi au nom de Jésus. Les cabros sacate, les cabros sacate, les catarebo corona sacaya, les brocatarebo. Je déclare sur ta destinée
que tout complot, toute conjuration, toute conspiration, tout complot, tout arrangement des hommes qui a été arrêté en ton absence et qui ne vise pas tes intérêts et qui sont contraires au plan de Dieu, je déclare que ce plan des hommes associé au démon est déraciné, échoué. Dans le nom de Jésus, en vertu de l'autorité apostolique et prophétique, là où le plan de Dieu sur ta vie avait été déplacé par les hommes, je le repositionne au nom de Jésus. Je le repositionne au nom de Jésus. Je le remets à la place au nom de Jésus. Les rabots, là où ton nom avait été écarté, il y a des contrats qu'on ne voulait pas signer pour toi. Le dossier est arrivé, on a dit pas lui, on a écarté. Ton dossier revient au nom de Jésus. Les pambroso baba la kate, les katambroso kate le rebo kata, imambroso kate le mambrosa. Tous ceux qui travaillaient pour ton désavantage, pour te désavantager, je déclare que ce plan est déraciné au nom de Jésus. Oh, par voie apostolique et prophétique, je commande un repositionnement de ta destinée. 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 La mabro katale rebos, satana rebos. I mabro katale rebos. I mabro satana rebos. Tout embarras qui avait été préparé pour ta vie, tout programme pour te frustrer, pour t'embarrasser, pour embarrasser l'œuvre du Saint-Esprit et le témoignage que le Saint-Esprit voulait faire sortir à travers ta vie. Je déclare que cette œuvre humaine et diabolique est détruite au nom de Jésus. Que le tsunami de la puissance du Saint-Esprit emporte au loin ce qui avait été programmé au nom de Jésus. Que tout esprit méchant qui opérait contre toi, contre ta santé, tout esprit méchant qui opérait pour empêcher la gloire de Dieu de paraître dans ta santé, que cet esprit d'infirmité, que cet esprit méchant, que cet esprit qui amène ses tourments, que cet esprit de sorcellerie soit jeté loin de toi au nom de Jésus. Tout ce qui voulait frustrer les desseins de Dieu pour ton foyer présent, pour ton mariage à venir, pour les rencontres, les connexions qui viennent de Dieu, je déclare et je décrète que toute connexion humaine qui n'est pas agréé par Dieu et qui est un stratagème du diable pour bloquer ta destinée et empêcher la manifestation de la gloire de Dieu, je déclare que toute fréquentation qui n'est pas du Saint-Esprit s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la kata, que la main invisible du Seigneur emmène vers toi qui n'est pas encore marié la personne que Dieu a agréée, que Dieu a approuvée et que tu avais du mal à reconnaître, ou qui était aveuglé et qui était enchaîné, qui était retenu. Voilà pourquoi elle ne venait pas. Je déclare que les chaînes qui étaient sur cette personne sont brisées au nom de Jésus et que les pas de la bonne personne soit dirigée par le Seigneur, l'Éternel, au nom de Jésus. Tout démon de l'enfer, toute coalition satanique, démoniaque, occulte, qui faisait mouvement vers toi, ou vers moi, ou vers un pacte sans chrétien, pour nous outrager,
pour nous faire perdre ce que le Seigneur a déjà accordé et donné. Je déclare que toute colonne démoniaque et satanique en mouvement depuis les profondeurs de l'enfer, je déclare qu'ils sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Et que par le tsunami du Saint-Esprit, ils soient projetés au loin au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que je frappe d'aveuglement, de cécité, de titubation, de confusion, de folie, tout démon de l'enfer en route, en mouvement pour bloquer, frustrer nos destinées. Ils sont frappés des caravanes de folie. Libro corara massi che calara bo, li cabro sulla baba che te. Toute personne qui avait l'intention, qui avait déjà résolu dans son cœur, qui avait résolu de te déshonorer, d'abuser de toi, physiquement, sexuellement, émotionnellement, toute personne qui a été chargée par le diable de cette mission de t'agresser, d'abuser. Je vois physiquement, émotionnellement, sexuellement, ou toi d'ailleurs, ou nous, ou nos enfants, toute personne qui a déjà reçu ce programme est emportée au loin au nom de Jésus. Jamais elle ne trouvera ni ta trace, ni celle de nos enfants au nom de Jésus. Tout esprit de mort en quête de sang, tout esprit de mort dans cette famille, dans ce village, tout esprit de mort, c'est une tête chercheuse qui cherche du sang. Ils ont besoin de sang. Et je déclare et je décrète, tout esprit de mort qui vient contre nous pour essayer d'égorger, je déclare et je décrète que par la puissance du Saint-Esprit, esprit de mort, tu es projeté comme jamais auparavant, au nom de Jésus. La mabrosona na baila na boca, le catali na boca na ramassa, ye cabroso catali mabro cota la ba. Oh, pendant que je suis là, continue de prier en esprit juste. Ye cabroso catali mabro. Aujourd'hui, les semences qu'il n'a pas plantées. Toi qui te déplaces dans les corps des gens. Esprit, tu es un esprit non identifié. Tu es un esprit mystère. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. J'ai besoin de connaître la puissance de résurrection. Et je déclare, je décrète. Où tu te cramponnais à la colonne vertébrale, au cœur, dans le dos, tu te cramponnais. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Au nom de Jésus. Les cabros soca, les mabro kata, les magita. Les carabros kora rama, c'était la papa la rebo. Les carabros soli kata, les rebo sola rama. Imro kata, les kata, les rebo soca brai. Imro soca la rima, lolo kota la kete. Imbo komba la rekate, les rebo sa. Imamrika, il arrivo kora rama, c'était les. Les broca la rama, c'est les rebo. La folie. Le début de folie, la perte de raison, les migraines. Il y a certaines, chez certaines personnes, c'est la migraine. Chez d'autres, c'est juste les tourderies. C'est juste les tourderies. Ce que les autres font naturellement, tu as du mal à le faire. Tu trouves difficile. Quand tu réfléchis, c'est dur. Quand tu réfléchis, tu rames et tu sens que tu as perdu ton intelligence. Je déclare et je décrète, toi, voleur d'intelligence, par la puissance de résurrection de Jésus, tu quittes son cerveau au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté, l'Ikimbrahanda est déraciné.
déraciné. Et jeté au feu. Déraciné, jeté au feu. Dans le feu du Saint-Esprit. De cette manière, tu ne reviendras plus. Tu ne le retrouveras plus. Il n'y a plus de moyen. Le feu, jeté au feu. Father, we thank you. Remercions le Seigneur. Sur la trajectoire d'un pacte sans chrétien, sur la trajectoire de mon frère et de ma soeur, sur la trajectoire de nos enfants, sur nos sentiers brille la lumière. Je vois un chemin dressé et la lumière qui resplendit. Ça veut dire les tentatives des hommes de mettre des embûches. Désormais, tes ennemis sont en marche-pied au nom de Jésus. Et ces embûches sont emportées au loin au nom de Jésus. Je vois sur tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Sur un pas de sang chrétien, sur nos sentiers, sur nos trajectoires, sur ce que le Seigneur a prévu, là où nous marchons, brille la lumière. Waouh! Brille la lumière. Obstacle banni. Mauvaise graine satanique, conspiration, complot dans les bureaux, dans les commissions, déracinée. Au nom de Jésus, sur nos sentiers brille la lumière. La Catalérebo. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons grâce. Je te disons merci. Merci. Toute plante, toute arbre, toute graine que tu n'as pas plantée est déracinée. Elle est déracinée. Les empêcheurs, les frustrants, les frustreurs de la gloire, les détourneurs de la gloire, ceux qui viennent pour frustrer, détourner, comme des grains de cailloux qui viennent frustrer, bloquer, déraciner. Father. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être des véhicules que tu veux que nous soyons pour ta gloire. Tu as entendu les cris de nos cœurs. Tu as vu notre réponse à ta sainte convocation. Tu as vu des cœurs qui reconnaissent leur imperfection, mais qui ont décidé, qui sont résolus et qui ont dit, eux, ils ont décidé que c'est toi qui apparaîtras. Que nous serons des véhicules réquisitionnés avec exclusivité pour Christ. Tu as entendu nos cris. Merci maintenant
d'envoyer un niveau de puissance sans précédent. Afin de faire en sorte que l'exclusivité soit totale et que tout ce qui veut freiner, frustrer, bloquer, retarder la manifestation de ta nature, de nos destinées, de ta volonté, des paroles de bénédiction que tu as prononcées sur nous. Tout ce qui veut freiner, retarder, ralentir, bloquer. Merci de ce que toutes ces choses sont emportées au loin au nom de Jésus. Merci de ce que sur nos vies, ta gloire apparaît comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada.